les amis et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de tesla ce magnifique génie alors qui n'était pas incompris qui était tellement précurseur que les big pharma et les big pétrolières ou énergétiques ont tout fait pour que ces inventions ne soient pas connues du grand public parce que conduire une voiture donc à l'électricité alternative qui prenait l'énergie dans l'éther de l'atmosphère, c'était révolutionnaire, ça coûtait rien du tout. Aujourd'hui, les voitures Tesla demandent une recharge en électricité. Or, la voiture que Tesla avait inventée fonctionnait à l'électricité comme les voitures Tesla d'aujourd'hui, qu'a créé Elon Musk, mais à l'époque, il fallait juste prendre l'énergie du vide qui était absorbée dans un moteur et ça redistribuait l'électricité. Waouh! Eh bien, son laboratoire a été dynamité plusieurs fois, ses inventions ont été kidnappées et il a fini dans la misère absolue, puisqu'il s'est fait avoir sur des contrats, il avait inventé des choses incroyables. Il avait inventé la bobine Tesla que l'on retrouve aujourd'hui dans un appareil quantique qui s'appelle le ILI. Et si vous voulez en savoir plus sur le ILI, vous cliquez ici ou là et vous allez découvrir. Donc les thérapies fréquentielles, autrement dit, donc comment la bombe Tesla agit pour améliorer votre santé. Et c'est Valérie Ficheux qui est mon bras droit qui va vous expliquer le fonctionnement du Willy. Aujourd'hui, je vais vous parler de traitement que Tesla avait découvert qui était le traitement à l'ozone. Grâce à l'ozone, il pouvait activer la vitamine D et on sait aujourd'hui que la vitamine D chez tout le monde, va permettre d'augmenter l'immunité, va permettre d'améliorer le bien-être. Donc, si vous n'êtes pas bien l'hiver, vous manquez de vitamine D, mettez pas 400 unités, mais mettez 1000 unités minimum entre novembre et janvier et vous allez avoir une belle énergie. Je vais vous expliquer les inventions et découvertes qui font que Nikola Tesla était un génie et c'est le premier qui avait parlé du healing field, c'est-à-dire le champ de guérison. Le champ quantique auquel vous accédez grâce à l'appareil ELI. Le réalisateur canadien Bob Connolly est auteur d'un documentaire The Healing Field qui est consacré aux inventions médicales de Nikola Tesla. Dans son film, Bob Connolly explique que la médecine de Tesla inclut deux types de thérapies la thérapie par l'ozone avec l'usage du rayon violet et les champs électromagnétiques pulsés, ou CEMP en anglais. Tesla découvrait que l'électricité peut être utilisée pour soigner une grande diversité de maladies. Tout cela était lié à la fréquence du champ magnétique et c'est quelque chose de très important à comprendre. Tesla était au courant des résonances et des vibrations dans les ondes sonores également. Il savait contrôler les fonctions biologiques à l'aide d'un plateau vibrant. Il força Mark Twain à aller aux toilettes en faisant vibrer son corps à une fréquence spécifique. Il a même découvert que des vibrations de 40 Hz avaient de très bons résultats contre la maladie d'Alzheimer. Et tout ceci fut accompli à l'université de Toronto. Tesla découvrit que les basses fréquences étaient efficaces pour reconstituer les fractures osseuses, soulager les douleurs, tandis que les hautes fréquences favorisaient la destruction des virus. Il est très connu aussi pour ses inventions médicales qui recouraient à l'usage de la lumière ultraviolette, et il appelait ses inventions des appareils à haute fréquence, des high frequencies, à il se tenait devant une grande bobine Tesla en spirale plate, éteignait toutes les lumières et il devenait littéralement bleu sous l'effet des minuscules étincelles électriques qui jaillissaient de sa peau. Ces étincelles qui recouvraient son corps s'appellent des décharges froides à effet corona. <laughs> ne riez pas. Ce n'est rien d'autre que de la lumière ultraviolette, mais elle produisait de l'ozone sur tout son corps. C'est analogue à la photographie par effet Kirlian dans laquelle l'objet lui donnait la mais dans ce cas, il portait ceci sur tout son corps. Il devenait littéralement une ampoule de lumière ultraviolette. Tesla a fini par commercialiser le procédé et développa le brevet d'une petite machine à ozone destinée à être vendue aux hôpitaux et aux médecins. Il vendit également de l'huile d'olive ozonifiée au grand public. Il conçut de la même des équipements électriques personnalisés à vendre aux hôpitaux et aux particuliers le moment arriva où le recteur du département d'éducation de la ville de new york tenta de faire installer ses équipements dans les classes d'école pour préserver la santé des élèves et améliorer leurs performances des essais ponctuels furent pratiqués des acteurs furent exposés à l'ozone dans des chambres de costumes dans le but d'améliorer leurs performances mais ces expériences prirent fin au moment de l'embargo sur les thérapies par champ magnétique à l'époque l'électricité était quelque chose de tout nouveau et était réputée dangereuse Tesla et Edison se livraient bataille dans l'opposition entre le courant continu et le courant alternatif. Le courant continu n'a pas de fréquence et le conflit entre Edison et Tesla repose entièrement sur la fréquence. Tesla déclara qu'un jour, chacun de nous utiliserait sa propre fréquence pour communiquer au moyen d'un dispositif sans fil. Cela contrailla fortement de nombreuses entreprises dans la mesure où cela transformait radicalement l'organisation des affaires. À la place des lampes à pétrole, tout le monde voulait des ampoules électriques. Tesla voulut une voiture électrique à une époque où tout le monde continuait à se déplacer en cheval. En fin de compte, le gouvernement, la FDA et l'American Medical Association entreprirent de réglementer la pratique de la médecine. La technologie avançait trop vite pour la population de ce temps-là. Tout le monde voulait que l'époque s'ajuste à la plus fameuse invention de Tesla, le courant alternatif, et voulait l'éclairage électrique à la maison. Mais peu de gens comprenaient que la plus importante réalisation médicale de Tesla impliquait l'utilisation de la lumière ultraviolette. La bobine Tesla fut utilisée initialement comme un applicateur de champ magnétique dans le but de soulager la douleur, mais ce fut son utilisation de la lumière ultraviolette qui bouleversa véritablement la médecine aux États-Unis. Quand une bobine Tesla est énergisée à la fréquence correcte, elle produit de minuscules éclairs ces éclairs ne sont rien d'autre que de la lumière ultraviolette et Tesla miniaturisa des équipements afin de produire ceci. Si vous faites passer de l'oxygène au-dessus d'une bobine Tesla saturée d'éclairs, elle produit de l'ozone. Il n'est pas sain de respirer cet ozone en grande quantité, mais ce gaz opère des miracles quand il est injecté dans les vaisseaux sanguins. Quand votre peau est exposée à la lumière ultraviolette, cette lumière crée la vitamine D. Le lait est enrichi en vitamine D si vous projetez dessus une lumière ultraviolette. Tesla créa des transformateurs et des systèmes d'éclairage qui pouvaient imiter les propriétés thérapeutiques naturelles des rayons ultraviolets du soleil. En fait, au moment où la médecine adopta l'usage de l'électricité, on ne faisait la promotion que des rayons X et d'électrochocs qui équivalaient à la puissance de 10 machines. Il n'était pas question d'utiliser un champ magnétique à basse fréquence. On affirma à l'époque que les champs magnétiques n'avaient aucun effet sur le corps et cela permit à l'industrie d'électricité de, de se développer à plein régime pour nous livrer les merveilles de la civilisation moderne. L'invention par Edison de l'ampoule à filament incandescent fut stimulée par l'invention faite par Tesla de la lumière fluorescente qui, elle aussi, pouvait produire la lumière ultraviolette. Après la création de la Tesla Ozone Company en 1910, Tesla produisit une mallette destinée à l'usage des médecins, ainsi que d'autres équipements d'usage domestique. Edgar Cayce, le grand médium, lui-même suggéra vivement l'usage du rayon violet dans ses lectures thérapeutiques en état de transe. L'ozonothérapie, la médecine Tesla, était largement répandue, et ceci pendant une vingtaine d'années. Tesla étant né en Croatie, il était grandement admiré dans les pays qui formaient l'Union soviétique et le Bloc de l'Est, et le rayon violet était très couramment utilisé dans ces pays. Mais la Deuxième Guerre mondiale conduisit à l'élimination de ces matériels en Occident. Et ils survécurent que dans les pays communistes, du fait de l'approche socialiste du système de santé. Tesla traita même des aveugles en utilisant ses mains et deux bobines en résonance. Tesla déclara un jour que tout le monde utiliserait ses inventions sans fil pour disposer d'un outil de communication personnel. Il parlait déjà du téléphone portable. Voilà, donc Nikola Tesla est un véritable génie, incompris ou trop compris par les big pharma et les big technologies qui ont voulu l'empêcher de donner des secrets qui étaient pas chers et quasiment gratuits d'utilisation au plus grand nombre. Il ne fallait surtout pas empêcher la troisième voie de la révolution industrielle, c'est-à-dire de consommer et d'acheter. Et si vous voulez vraiment comprendre, la thérapie fréquentielle et l'usage de la bobine Tesla dans les champs d'information, dans ce fameux healing field, c'est-à-dire ce champ de guérison dont avez compris l'importance pour Nicolas Tesla. Je vous invite à cliquer ici pour visualiser ce webinar qui a été fait sur l'appareil quantique, le Ili. En tout cas, je vous souhaite de bien méditer sur le fait qu'on peut être un génie. Mais malheureusement, ne pas être en accord avec notre époque, et des fois on a raison, trop tôt. Alors je vous dis, restez bien alignés, et surtout, rien d'extérieur ne doit modifier ce que vous mettez sur votre écran intérieur. A bientôt.